Hey, c'est pas possible! Eh wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh wow! Igwe! Eh ouais, eh ouais, eh quoi mais,
Igor, hey! Mes salutations, les anciens de notre royaume. Igwe. Comme vous le savez tous, c'est une nouvelle saison agricole. Hmm. Et je veux que nous pensions tous comment produire plus de nourriture pour en avoir assez pour bien nourrir nos familles avant la prochaine saison agricole. Et rappelez-vous, ça ne sera pas notre tour la prochaine saison agricole. Oui, bien sûr, Majesté. Très bien. Votre Majesté, vous avez raison. Nous devons vraiment travailler encore plus dur cette année. Parce que je sais combien ça a été très dur pour nos familles ces dernières années. Nous travaillerons plus dur. Ok, c'est très bien. Je pense qu'il nous faut d'autres personnes qui vont rejoindre ceux qui sont déjà en train de travailler sur notre terre. Quelle idée excellente, Majesté. Vous avez vraiment une sagesse qui vient des dieux. Une idée excellente qui demande beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ce n'est plus vraiment important de dépenser l'argent maintenant alors que ça va nous aider la semaine prochaine. Regardez-le, regardez ce qu'il raconte. De toute façon, je vais employer d'autres personnes. Ils seront payés parce que je ne peux pas risquer que mon peuple souffre d'une famine ou d'une sécheresse. Oui, notre roi. Votre Majesté, nous sommes finis. Nous sommes finis, Majesté. Igwe. Igwe. J'étais allé prendre mes amis. J'étais allé les prendre sur la terre des Igodo. Nous étions allés pour préparer la terre pour la culture. Et en arrivant là-bas, j'ai vu tout le monde qui était complètement tué par les tous. Quoi? Pas possible! Ils ont tué absolument tout le monde! Même mes amis! Impossible! Impossible! Votre Majesté! Vous pouvez venir avec moi! Allons là-bas! Afin que vous puissiez voir ça de vos propres yeux! Votre Majesté! Votre Majesté! Je vous en prie! Permettez-nous d'aller là-bas! Pour voir cela de nous-mêmes. Oui, allons-y, c'est vrai. Allons-y, oui, gardons, oui, pas, oui, allons-y. Oui. Hey! Allô? Lève-toi, allons-y. Hey! Allons-y. Non, ce n'est pas hey. Le cas. Hey! Pourquoi ça nous arrive à nous? Qu'on a fait pour rater hey. Ça? C'est pas pour rater hey. Ça. Hey! Ah, c'est cela. Oh, ma princesse, je dis que je suis désolé. Je demande pardon, ça ne va plus jamais se produire. Je demande pardon, ma princesse. Ferme-la! Alors, après avoir vu ma nudité, tu as eu cette audace d'aller voir une autre fille. Au bout des mains, c'est une injure à mon égard. Je te pardonnerai jamais. Jamais! Ma princesse, c'était une erreur. Ça ne va plus jamais se produire. C'était une erreur. Je demande pardon. Trop pardon. Tard. Trop tard. Moi, princesse Ouri, je ne retourne pas sur mes pas. Tu le sais très bien. Je demande pardon. Au bout de mes, dans ta prochaine vie, tu ne blagueras jamais avec les gens comme moi. Je demande pardon, ma princesse. Je demande pardon. Je demande tu pardon l'es. Au nom de notre amour. S'il vous plaît, ma princesse. Princesse adorée. Arrête. Je viens te voir ordonner la mort d'un innocent. C'est quoi ce genre de cruauté? Ton
cœur ne s'est donc pas pardonné? Le pardon est un péché pour moi. Attends un peu. Qui est-ce qui te donne cette audace de te tenir devant moi et me poser des stupides questions aux choses qui ne te concernent pas? Tu sais, je peux te tuer pour ça. Tu n'oseras pas le faire. Quoi? Ma princesse, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de faire ça. Je souhaite que vous ne le fassiez pas. Ne pense pas que tu t'es échappé de moi. J'ai tort. Et ça sera sûrement ton dernier jour sur Terre. Que ça soit la dernière fois que tu vas quitter ce palais sans être accompagné par des gardes. Papa, mais c'est quoi le problème? Ne sais-tu pas que ce village est sous attaque? Et ce n'est pas prudent pour toi de sortir toute seule en tant que princesse. Oh, mais c'est pas la première fois que je pars chasser seule. C'est quoi cette soudaine crise? Je crois que tu m'as entendu. N'ose plus jamais sortir de ce palais toute seule. Mais c'est quoi ton problème? C'est pas ma première fois. Osigwe, comment cela s'est passé? Tout s'était bien passé, Votre Majesté. Votre message a bel et bien été délivré. Ça, c'est parfait. Ce n'est qu'un simple commencement. Ils doivent faire ce que je leur ai dit. Ou sinon, nous les enverrons plusieurs autres messages. Le grand lion, c'est lui qui fait peur à l'éléphant et il tremble. Mon grand guerrier. Je vous salue. Soyez comme demain, parce que demain ne finit jamais. Qu'il en soit ainsi avec toi. Tu peux y aller maintenant. Merci. Ah. Mes salutations, Votre Majesté. Salutations, mon prince. Tu viens juste d'arriver au bon moment. Rejoins-moi à ce dîner. Puis-je demander de quoi célébrez-vous, Votre Majesté? Chaque jour est à célébrer, fiston. Tu sais, m'asseoir sur ce puissant trône de pouvoir, exerçant mon contrôle, est quelque chose à célébrer, fiston. Je viens de voir les gens dans le palais. Puis-je demander ce qu'ils font là? Oh, il était juste là pour me saluer. Votre honneur, je vis des gens s'inquiéter autour du palais, disant qu'ils avaient une mission et sont venus pour faire les rapports. Quelquefois, je l'invite juste pour prendre un verre. D'ailleurs, tu n'es pas toujours à la maison pour remarquer cela. Pourquoi ne pas prendre un verre et te joindre à moi tout de suite, ok? Vas-y, vas-y, vas-y. Prends une coupe et trinque avec moi. Apporte une coupe. Ça, c'est du pur vin de palme. Vraiment. Dis, tu aimes qui avons-nous là? Oh! Ofoji, mais quelle belle visite inattendue. Viens t'asseoir et trinque avec nous. Je ne bois pas avec de vautours comme toi. Hey! Ah! Quelle insulte! Attention! Attention à ce que tu dis là. Hey! Réalises-tu que c'est à mon roi que tu parles là? Ferme-la. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh! Je vois. Il y a donc une conspiration par ici. C'est évident, Votre Honneur. Ils ont tous conspiré avec leur méchant roi. Toi, je serai forcé d'avoir ta tête. Si seulement tu oses manquer une fois de plus du respect à ce noble assemblée ici. Hey, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu ne feras rien de tel, Onjoko. J'ai assez toléré ton insolence. Tes insultes, j'en ai assez. Exact. Pourquoi as-tu envoyé tes guerriers tuer mon peuple sur la terre là-bas du Godon? Bien dit. Donc tu as reçu mon message. Je me demande. C'était nos guerriers. Bien.
Quand un serpent refuse de montrer son venin, alors les enfants l'utiliseront comme un jouet. Ça c'est bien dit. Junko, tu sais bien que ce n'est pas votre tour de cultiver sur cette terre cette saison. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ofoji, je t'ai appelé en tant qu'ami et t'ai supplié pour cette petite faveur, mais tu as refusé. Et qu'est-ce que tu espères? Que je devrais accepter? Que mon peuple ne devrait pas cultiver cette saison alors que c'est notre tour de cultiver? Tu veux que nous venions ici commander la nourriture dans ton palais? Écoute. C'est ce que tu veux. Écoute. Si seulement tu avais le moindre respect pour moi, alors tu aurais déjà consenti à ma demande. Parce que je sais bien que dans l'histoire, cette terre appartient à mon peuple. Oh. Ah, c'est ça. Oui. Mais nos grands-parents, en leur temps, avaient eu une entente. Pas de la partager, mais de faire ôter son utilisation. Oui, on a toujours fait ça. Exact. Tu veux maintenant le changer, à cause de ton avidité. Tu es un homme avide. Cela n'était qu'une simple demande. Et tu aurais dû montrer un tout petit peu de respect. Oui. Exactement. Jamais nous ne pouvons accepter une telle demande. Jamais. Cette terre appartenait généralement à nos grands-pères, comme tu l'as bien dit toi-même. Tout celui qui t'embrouille avec ce genre de mensonges, il ne fait que chercher la guerre pour toi. Et exact. Il est en train de te décevoir en Joko. Exact. Ofoji, tu vas permettre à mon peuple de cultiver ces terres une saison de plus, où il y aura le trouble. Trouble, tu dis, Njoko? Alors prépare-toi à danser au rythme de la musique que tu as toi-même commencé. Exact, exact, majesté. On s'en va. Allons-nous-en. Allons-nous-en vite. Regardez-le. Il me menace, moi. Ofoji est venu dans mon palais pour me menacer. Hey, quel courage. Totalement vrai. Je ne le blâme pas du tout. C'était bien mon père qui a sécurisé ses terres avant qu'il ne meure. Oh. Mais je vous garantis juste une chose. Notre peuple va cultiver ses terres pour une saison de plus ou deux. Qu'ils aiment cela ou pas. Voilà. Igwe. Hey. C'est vraiment pas bien. Igwe Joko. Mon mari. Qu'as-tu l'intention de faire? Bien, je réfléchis encore. Mais une chose est sûre. Je ne leur permettrai jamais de cultiver sur cette terre. Jamais! S'il te plaît, mon mari. Je comprends ce que tu ressens. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Mais nous devons faire un effort pour chercher la paix. Est-ce que ce fou et son peuple ont considéré la paix avant de prendre une telle décision? Ils l'ont fait? Évidemment qu'ils ne l'ont pas fait. S'il te plaît, mon mari, permets-leur de cultiver cette saison. Nous allons trouver un moyen pour s'en sortir. Nous ne sommes pas nombreux comme le peuple d'Alumuna. S'il te plaît, débrouillons-nous avec le paix que nous avons et laissons régner la paix. Mais est-ce que tu t'entends parler? Honnêtement, si tu n'étais pas ma femme, j'aurais déjà fait quelque chose de terrible cette nuit. Comment tu peux dire une telle chose? Je devrais les laisser faire. Au détriment de notre peuple. Jamais! Ça n'arrivera jamais! S'il te plaît, mon mari. Non, laisse-moi. Je pense que j'en ai entendu assez. Je dois dormir. Femme, j'ai dit que tu devais me laisser dormir. Je t'en prie. Ou n'ai-je pas le droit de me reposer en tant que le roi de mon propre village? Tu dois m'écouter. Quoi donc as-tu à me dire? À part seulement critiquer ou condamner chacune de mes actions ou de mes décisions. Igwe, tu vas briser la paix et nous tirer la guerre dans cette communauté. Avec tes actions et tes paroles. La guerre est la dernière chose que notre peuple a besoin maintenant. Notre peuple n'a pas peur de la guerre. Nous avons les meilleurs guerriers et les meilleures armes. Igwe, pourquoi aller à la guerre? Alors que tu peux mettre fin à cette avarice et cupidité à cause de la nourriture. Donc me battre pour le bien-être de notre peuple, c'est de la gourmandise.
Tu parais méchant et injuste face au peuple des Akougoué. Ce n'est pas de leur faute que nous n'avons pas récolté assez de fruits à la dernière moisson. C'est leur tour dont s'est massée la terre. Cette terre est la source de leur vie quotidienne, de même que pour nous. Cette terre nous appartient légalement, à moins qu'il soit ignorant de l'histoire. Je n'ignore pas l'histoire. Non, je l'ignore pas. C'est un accord qui date de longtemps entre nous et le peuple des Akougoué. S'il te plaît, laisse-nous nous gérer avec ce que nous avons pu récolter dernièrement. Ça peut nous aider à aller jusqu'à la prochaine saison. S'il te plaît, laisse-les passer au champ. Tiens-la. Tu me contredis. Une reine est supposée soutenir absolument chaque décision de son roi. Mais apparemment, ton cas est différent. Oui, tu m'as giflé. Je vais t'étrangler si tu ne sors pas de cette chambre maintenant. Dehors! Maman, je vous avais entendu vous discuter avec papa hier. C'était quel sujet? Rien du tout. Que veux-tu dire par rien? Oh, c'était juste une discussion entre mari et femme. Donc c'est rien. Maman, comment est-ce que tu peux dire que c'était une discussion entre mari et femme pendant que les tons étaient haussés? Pourquoi tu ne finis pas d'abord ce que tu es en train de faire, ensuite on va causer? C'est pas ça le problème. J'ai tous les temps. Parlons-en. Igwenjoko a craché sur nos visages. Surtout les miens. Trop c'est trop. Nous n'allons plus tolérer ça. Même ma femme m'a suggéré d'aller dialoguer avec lui. Mais j'ai dit non. Le temps du dialogue est déjà révolu. Trop, c'est trop. Je ne peux pas accepter cette idée-là. Votre Majesté, ce n'est vraiment plus le moment de dialoguer. Pas non. Du tout. Et d'ailleurs, il a le soutien de son membre du cabinet dans ses maléfiques actions. Je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer quelques hommes de plus pour aller cultiver sur ces terres là-bas. Voyons ce que l'Unjoko fera pour les empêcher de cultiver là-bas. Je vais aussi envoyer quelques gardes et des guerriers pour les accompagner. Et possiblement aussi, il doit être avec eux. Igwe, je vous soutiens totalement. Il n'y a pas de temps à perdre. Surtout maintenant que nous avons perdu beaucoup de gens. Je ne comprends pas. Resterons-nous affamés parce que nous partageons la terre avec le peuple d'Alumuna? C'est ce que je me demande moi aussi. Nous devons cultiver. Parce que c'est notre tour de cultiver sur ces terres. Même les dieux savent cela. Oui, Igwe. Et nous allons cultiver sur ces terres, qu'ils le veuillent ou pas. Exact. Oui. Igwe, je vous soutiens, ça c'est vrai. Mais nous devons être préparés en cas d'une quelconque attaque surprise. Bien sûr. Exact, on Bien sait sûr. Ça. Et nous avons des guerriers qui sont capables de faire tout ça. Cet homme-là, qui s'appelle Njoku, c'est un homme très méchant. Très méchant et sans cœur. Nous allons faire ce qu'il nous a poussé à faire. Imaginez ça. On fera ce qui nous a poussé exact. À faire. Père, pourquoi tu avais frappé ma maman la nuit dernière? Fiston, ne crois-tu pas que tu devais me saluer d'abord? Je n'ai pas d'humeur à ça. Tu as frappé ma mère dans la chambre et l'a pleuré toute la nuit. Pourquoi? Oh, elle te l'a dit, hein? Cette femme ne cessera jamais de me mettre en colère. Dis-moi ce qui s'était passé. Assieds-toi. Je n'ai pas envie de m'asseoir. Je préfère rester debout. Ok. Je vais clarifier tout ça. Le peuple de Ikogo veut nous prendre.
une portion de terre qui nous appartient légalement. Vous parlez de la terre d'Igodo? Précisément. Mais pourquoi? Ils sont en train de réclamer cette portion de terre. Ils ont commencé à terroriser notre peuple. J'ai fait appel à ta mère pour parler avec elle et avoir quelques conseils venant d'elle. Mais sais-tu ce qu'elle m'a répondu? Que je devrais les laisser entrer en possession de ces terres. Non. C'est insensé. Si on les laisse ces terres, quand est-ce qu'ils vont nous respecter? Voilà exactement la folie de ta mère. J'ai essayé de la faire voir la raison avec moi, mais elle a refusé. Et elle m'a même insulté, moi. C'est ce qui m'a mis en colère et je l'ai giflé. Je l'ai chassé de ma chambre. Vous êtes les majestés, vous ne pouvez pas faire ça. Je me demande à quoi les gens penseront s'ils voient leur roi, qui le respecte beaucoup et en qui ils ont confiance, de voir humilier sa femme de cette façon. Garde, laissez-nous. Bien, fils, peut-être que j'ai mal réagi. Mais tu dois au moins comprendre que les femmes apportent des tentations que tout homme doit éviter. Mais c'est ta femme et la reine de ces royaumes. Votre Majesté, si vous n'apprenez pas à vous calmer, vous allez vous tuer, vous et votre femme. Elle mérite la paix. Va et fais exactement ce que j'ai dit. Igwe. Oh, ma chère papa, fille, l'image de la beauté. Comment vas-tu? Très bien. Maman m'a tout raconté. Elle t'a dit quoi? Papa, je comprends que tu ne veux pas que je sois au courant de tout ce qui est en train de se passer. Mais je suis ta fille. Je suis censée savoir tout ce qui se passe dans ces royaumes. Je pense que je n'arrive pas à comprendre de quoi tu parles. Les récentes tueries. Pourquoi le peuple d'Alumuna ne veut pas que nous puissions travailler sur cette terre durant cette saison? Avidité. Très simple, l'avidité. J'ai confronté leur roi. Il me dit qu'ils n'ont pas fait une très bonne récolte la saison passée. Donc, ils doivent encore récolter sur cette terre cette saison. Mais s'il le fait, cela veut dire que nous allons manquer de nourriture et nous serons obligés d'acheter de la nourriture chez eux. Exactement. Mais il a refusé. Il a insisté qu'ils veulent encore cultiver sur cette terre. Donc, deux saisons de suite. Ah. Alors, qu'est-ce que tu as en tête? La guerre. La guerre, ma chérie. Personne ne provoque le tigre pour s'en sortir après. J'ai envoyé des hommes qui doivent cultiver sur la terre du Godo. Et si le peuple d'Alumuna, autant qu'ils sont, touche un de mes travailleurs, ils me laisseront la seule option de déclarer une guerre sérieuse contre leur peuple. Très bien. Si la guerre est la seule option, dans ce cas, je dois me préparer par conséquent. Non, ma princesse. Non. Tu es le futur de ce royaume. Je ne peux pas te permettre de risquer ta vie. Papa, je suis la princesse de ce royaume. Je ne peux pas croiser les bras et laisser mourir mon peuple. Sinon, à quoi bon être leur princesse? Ce combat n'est pas ton combat. Papa, il s'agit de mon royaume. C'est notre terre. Papa, ton problème qui rencontre cette terre est aussi mon problème. Et je vais me battre. Je vais me battre à tout prix. Ne penses-tu pas que j'ai assez de guerriers pour combattre dans cette guerre? Princesse! Princesse! Olachi! Reviens ici! Papa! Princesse! Olachi! Mon fils. Papa?
C'était là toute la vérité sur la terre du Godo. Papa, si c'est vraiment ça les problèmes, mais pourquoi il ne veut juste pas laisser cette terre parce que ça nous appartient? L'égoïsme. L'égoïsme, mon fils. Il est juste égoïste. Et c'est son attitude là qui emmènera des problèmes entre nos peuples. Les problèmes? Exact. Les problèmes du genre la guerre ou quelque chose d'autre? Exact, bien sûr. La guerre. La guerre. Parce que Iguofoji ne peut jamais permettre que qui que ce soit lui prenne ce qui lui appartient. Je me demande pourquoi ils sont cupides. Pourquoi ils peuvent être cupides à ces points? Voilà ce qui tracasse tout le monde. Fiston, papa, va à l'intérieur, donne-moi de l'eau à boire. D'accord, papa. Je réfléchissais récemment concernant le problème entre nous et le peuple d'Alumuna. Et j'ai décidé d'aller revoir leur roi. Vous parlez du roi Onjoko? Oui. Je vais donner une deuxième chance au dialogue avant de demander à nos guerriers d'aller se préparer pour une grande guerre. Mon roi, je ne vois pas ces rois vouloir donner une deuxième chance à la paix. Cet homme-là est vraiment très méchant. Exactement. Puisque son peuple a consenti à ses actions, je doute fort qu'il puisse revenir à la raison. J'en doute vraiment. Bien, ceux qui ont rendu le changement pacifique impossible
ont aussi rendu la violence inévitable. Igwe, hein? Okay, Igwe, qu'est-ce qu'il y a encore? Igwe, on avance quoi? Comment cours-tu quand une personne dans la maison est en feu? Ils sont venus encore. Qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai vus. Oh. Je les ai vus du côté. Ils étaient là du côté de la terre d'Igodo. Et tout le monde qui était là. Ils les ont tous tués. Décapité leur tête. Et aussi mon frère. Non, pas encore. C'est quoi cette histoire? Oh, ça c'est sûrement l'œuvre du peuple du royaume de Lumuna. Maintenant, garde, amenez-moi les guerriers du front. Appelez-moi les chefs de guerriers. Qu'il rassemble tous les guerriers avec lui. Il faut que nous commencions la guerre contre ces gens. Mais Igwe, vous venez de parler de donner une chance à la paix, le dialogue. Avec tout ça, trouve les guerriers. Les hommes qui gagnent des guerres sont ceux qui n'en ont jamais peur. Convainc tes ennemis que tu es toujours là prêt à les attendre pour les affronter l'un après l'autre. Le courage. Concentre-toi. Non sur les os. Regarde au-delà de l'os. Laisse que le sang coule sur leurs lèvres. Soit. Vois au-delà de ce que tu vois. Sois flexible comme la grenouille. Focalise-toi. Comme un chat, protège bien ta tête et attaque par la gauche. Le crapaud en train de guetter. Le crapaud toujours prêt. Le crapaud va doucement, attendant le bon moment. Ne vois que ton but, que le but. Justifie ton combat. Vigilance. Quoi? C'est ce qu'il t'a dit? Tu insinues que le roi m'a menti? Bien sûr qu'il t'a menti. C'est lui la cause de tous ces problèmes. Écoute, notre peuple a eu un accord avec le peuple des Ikogwe de faire une rotation dans la ferme avec le peuple des Igodo, puisque c'est la plus grande terre qui leur est précieuse. Nos peuples se nourrissent des produits de la ferme, juste comme le peuple des Igodo. Je m'inquiète pour ça. Ok. Et ton père ne veut pas le laisser utiliser la ferme, alors que c'est leur tour. Pourquoi? Il donne des raisons qui ne tiennent pas debout. Il dit puisqu'il n'y a pas eu assez de récolte à la moisson, ils doivent nous laisser utiliser la terre pour la deuxième fois. Ça craint.
Je l'ai contesté. C'est pourquoi il m'a giflé. Oh, il m'a demandé de quitter de sa présence. Son arrière, son pauvre père, n'a jamais levé sa main sur sa mère. Je ne sais pas pourquoi ton père me bat tout moment. Ça va aller, maman, arrête de pleurer. Ok? Mon fils, promets-moi que tu ne suivras pas ses pas. Je te promets, maman, que je ne suivrai jamais ses pas. Mais s'il te plaît, je veux que vous fassiez la paix avec ton mari. Je ne supporte pas de vous voir en conflit. Je t'en supplie. Je le ferai. Merci beaucoup. Tout ira bien. Salutations, ma princesse. Salut. Hey. Viens ici. Oui, ma princesse. Appelle-moi aussi, Gwe. Dis-lui que j'ai besoin de lui ici. Je vous en prie, ma princesse. La reine m'a envoyé de toute urgence. Quoi? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Es-tu stupide? Tu es fou? Comment oses-tu me donner une excuse? Que cela soit la première et la dernière fois de refaire ça. Maintenant, dégage de ma présence pour la seconde fois. Tout de suite, princesse. Vraiment, ça c'est inhumain. Et j'étais toujours interdit cela. Garde ça. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Obi-Wan, je ne serai jamais comme toi. Je ne peux pas voir quelqu'un m'insulter autour de moi. Je t'interdis d'arrêter de te mêler dans mes histoires. Je ne répéterai plus jamais ça. Je suis désolé de t'avoir giflé, ma reine. C'était sous l'effet de la colère. C'était sous l'effet de la colère. Peu importe. Ça, ce n'est pas la première fois ou la deuxième fois que tu le fais. Je le sais et j'en suis vraiment désolé. Je n'ai aucun droit de lever la main sur ma reine. Et je regrette vraiment d'avoir fait cela. Je t'en prie, pardonne-moi, s'il te plaît. Igwe. Je reste toujours dans ma position. En ce qui concerne ta décision sur le peuple d'Ikogo, s'il te plaît, accorde-leur le droit d'ensemencer la terre, s'il te plaît. Je pensais que maintenant tu serais revenu à la raison au sujet de ce problème. De quelle raison parlais-tu, Igwe? Depuis quand tu es devenu aussi sans cœur et méchant? Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Igwe, mes giflets ne m'arrêtera pas de te dire la vérité. Qu'est-ce que tu gagnerais tout en étant aussi méchant? J'ai entendu que tu as appelé quelques villageois. Quoi? Pour le... Crois-moi, cette troisième gifle fera encore plus mal. Comment oses-tu? Est-ce parce que je me suis humilié pour venir m'excuser auprès de toi? Contrôle la façon dont tu me parles. M'entends-tu? Contrôle la façon dont tu me parles. Où est-ce que tu vas? Viens ici, mes giflets. Méchant homme. Méchant que tu es. Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir.
Je préfère rester seule. Bien, je ne vois pas ce qui est essentiel pour gaspiller ton temps. Je vais partir si tu veux. Mais tu dois d'abord m'écouter. Comme ta fille, tu dois arrêter maman. Si les hommes étaient de Dieu, je ne souhaiterais pas que tu sois humain. Où est ta conscience? Ne sais-tu pas que tu es une femme? Hein? Garde ça! J'ai pas besoin de tes conseils. Je veux juste que tu arrêtes d'être une détruiseuse pour nous. C'est simple. Oh, si tu n'arrêtes pas parce que tu connais bien ton mari, il continuera à te tabasser. L'image parfaite de la beauté. Je peux voir que tu as attrapé un gros gibier cette fois-ci. Même pas un petit sourire pour ton père, le roi. Très bien. Je sais que tu n'es pas content de moi. J'ai besoin de rester seul. S'il te plaît, ma fille, je veux que tu comprennes ce que je te dis. S'il te plaît. Tu sais que je n'ai pas d'héritier pour le trône et que je t'aime vraiment beaucoup. Tu le sais peut-être pas, mais ta mère et moi avions cherché un enfant pendant un très long moment avant que les dieux ne décidassent de nous bénir avec toi. S'il te plaît, aller en guerre, c'est quelque chose de vraiment très dangereux, en considérant qui tu es. La guerrière qui sommeille à moi ne cessera pas d'exister juste parce que je suis une princesse. Ma fille, ta bravo et ta force sont vraiment impressionnantes. Hein? C'est pourquoi le peuple t'admire vraiment beaucoup. S'il te plaît, je ne vais pas te permettre de risquer ta vie en allant à la guerre. Papa, je ne suis pas ce genre de guerrière qui peuvent s'asseoir et laisser son peuple périr. Si je ne peux pas me battre pour protéger cette terre, alors ça ne vaudra pas la peine d'accéder au trône une fois que tu ne seras plus. Mais ma fille... Papa, s'il te plaît, laisse-moi prouver de quoi je suis capable. Olaji, tu nous as prouvé ta force et ta bravoure autant de fois que possible, devant moi et devant tout le peuple de cette communauté. Mais s'il te plaît, laisse les guerriers s'en occuper. Laisse le guerrier faire ça, s'il te plaît. Papa, j'ai besoin de rester seul. Olaji, reste et y réfléchir. Amouma, les grands guerriers, bienvenue. Comment évoluent les préparations? Mon roi, moi et les restes de guerriers sont prêts. Très bien. Je veux que tu ailles me trouver ma propre paix demain. Alors tu iras chez Ouakwe, le faiseur de paix, et tu vas prendre mon épée. Votre Majesté, vous voulez dire votre propre épée? Oui, bien sûr, mon épée. Le feu dans la brousse n'attend pas les caméléons qui est lent. Je dois diriger les guerriers et enfin détruire ce peuple d'Alumuna. Mais non, Majesté, vous ne pouvez pas penser à aller à la guerre. J'ai déjà pris mes décisions. Votre Majesté, pensons-y d'abord à vous. Amouma, es-tu avec moi? Bien sûr, Majesté. Si le grand roi de la terre du Kwogo décide de nous accompagner dans la forêt maléfique, alors j'irai moi aussi. Bien, c'est le genre de personne que j'aime. Nous devons conduire notre peuple et nous battre pour ce qui est à nous. Nous devons nous battre pour nourrir le peuple. Et je suis sûr que la victoire sera certainement nôtre. Igwe, vous avez raison. Ok. Amouma,
Tu peux partir. Mes anciens, je comprends le moment que certains ici traversent. Mais vous devez comprendre qu'un jour, vous devez faire face à votre peur. Nous ne pouvons pas laisser Njoko continuer avec ses menaces. Je dois confronter Njoko. Je suis sûr que nous allons gagner. Igwe. Exactement. Nous aurons la victoire. Igwe. Papa, nous avons à te parler. Ah, j'espère que tout va bien. Papa, Igwe insiste d'aller à la guerre. Oui. Oui. Ah ah. Papa, tu ne peux pas le permettre. Ça va déclencher un autre combat. Papa, s'il te plaît, trouve un moyen d'arranger ça. Oui, papa. Tu sais, Igwe, c'est une bonne personne. Nous ne sommes pas prêts à le perdre maintenant au champ de bataille. Papa, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose vite à ce sujet. Exactement. Exactement. Le Igwe est un homme très bon. Mais vous devez aussi savoir qu'il est également un homme très têtu. Nous avons essayé de le convaincre. Je puis aller là-bas pour parler avec lui. Mais il pourrait ne pas prendre mon conseil au sérieux. On doit d'abord essayer, papa. Il faut qu'on essaye, hein? Nous devons d'abord essayer. Papa, essaye de voir ce que tu peux faire. Hein? On ne peut pas perdre Igwe aussi vite. S'il te plaît. C'est d'accord. J'essaierai. Je le ferai. Je vous remercie pour votre conseil. Je suis fier de vous avoir comme mes Merci, enfants. Papa. Merci, papa. Que les dieux vous bénissent. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Mon amour, ne trouves-tu pas que tu es en train de mettre ce royaume en danger? Comment allons-nous survivre si quelque chose de mal t'arrivait? Ou as-tu l'intention de faire de moi une veuve? Arrière de moi, comment te rendre une veuve? Rien ne va arriver. Et puis, ma fille est là pour prendre ma place. Ah, tu sais bien qu'elle n'est pas encore prête. Et elle est trop jeune pour devenir orpheline. Tu sais, tu parles comme si quelque chose va arriver. Rien ne va arriver. Je répète, rien ne va arriver. Et parlons de notre fille. Si elle est trop jeune, n'oublie pas que c'est une guerrière. Elle peut se tenir face à tout défi. Elle est forte. Tu ne te rendras pas à cette guerre. Je ne te laisserai pas partir. Vraiment? As-tu une idée sur comment tu vas m'arrêter? Hein? S'il te plaît, apporte-moi à manger. Je t'ai dit, apporte-moi à manger. Alors, tu voulais me voir, Ezewi? Oui, votre majesté. J'étais en train de réfléchir sur votre décision à propos de rejoindre les guerriers à la guerre. Et quel est le problème? Votre majesté, je ne pense pas que ce soit la meilleure. Vous savez, la vérité c'est que nous devrions savoir que vous êtes roi de cette terre. Mais c'est une raison de plus pour moi de diriger cette guerre. Le chef doit diriger par l'exemple. Votre majesté, je viens quand même vous le demander. Laissez-moi y aller à votre place. Je sais que vous étiez le leader des guerriers quand nous étions encore jeunes. Mais vous devez vous souvenir aussi que j'étais le seul qui pouvait faire face à vous. Je suis content que tu te rappelles que c'était moi l'Odogu. Oui, je n'en doute pas. Un Odogu reste un Odogu. Ça, je le sais. Et je n'en discute aucunement. Mais comment puis-je oublier tous ces temps que nous avons passés ensemble? Hein? Bien, le seul problème est que je dois protéger mon royaume. Il faut que je protège mon peuple. Voilà pourquoi il faut que j'aille en guerre. Je ne suis pas un roi lâche. Votre Majesté, je sais ça. Je sais que vous êtes plus fort que personne ne peut imaginer. Vous n'êtes pas un lâche. Même les dieux sont témoins de cela. Mais je vais quand même vous rappeler.
que la force flétrit avec l'âge. Non, 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 non. Ezewe, je ne veux pas accepter cela. Au moins, pas dans mon cas. Je suis combattant. Je suis un guerrier. J'ai toujours conquis. Et je suis un roi. Il faut que je prenne part à cette guerre. Tout ce que je veux, c'est que vous et les autres anciens preniez en charge toutes les affaires de ce royaume pendant que je serai absent. Et je peux vous assurer une chose. La victoire est certaine. Nous donnerons une leçon à ces gens. La victoire est à nous. Maman, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. J'ai vu mettre quelque chose dans la nourriture d'Igwe. C'est pour son propre bien. Je ne comprends pas. Ton père veut faire de moi une veuve. Il veut partir avec les guerriers à la guerre. Je ne vois pas le mal avec ça. Tu ne m'écoutes donc pas? Je dis que ton père veut que je devienne une veuve. Tu sais que s'il part là-bas, sa chance de survie est très minime. Comment le sais-tu? C'est suite à son âge. Avant, il partait à la guerre, mais maintenant, il n'a plus cette force. Je ne veux pas qu'il se rende là-bas et qu'il périsse juste comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans sa nourriture? J'ai juste mis un peu de subsistance qui va le rendre faible. De ce fait, il demandera aux guerriers de partir sans lui. C'est là... C'est la seule solution que j'ai trouvée. J'ai pas envie que tu grandisses sans père. Rien ne va arriver à Igwe. Olachi, je ne te blâme pas. C'est parce que tu n'as jamais vu la guerre. Tu sais qu'il ne sera pas d'accord s'il découvre que j'avais mis quelque chose dans sa nourriture. Et il ne te le pardonnera pas. Je suis prête à affronter les risques. Il a accepté de partir à la guerre de son propre gré. Alors laisse-le partir. Permets-lui de partir. S'il te plaît, ma fille. Je veux que tu essaies de me comprendre. Ton très cher père n'est plus fort comme il était auparavant. S'il te plaît, je ne veux pas qu'il les tue. Maman, soyons optimistes. Rien n'arrivera à Igwe. Je sais que les dieux vont le protéger et il reviendra en sécurité. Rien ne va lui arriver. Ok? Partons nous reposer. On y va à la maison. T'inquiète, tout va bien se passer. Alors qu'en est-il de cette nourriture? Je vais m'en occuper. Calme-toi, c'est quoi? Mon amour, mais sois calme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Détends-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Non. Ma princesse, bonjour. Garde tes salutations. J'en veux pas. Hé, hey, toi, viens ici. Viens ici! C'est comme ça que vous détruisez notre terre? Qu'est-ce que vous faites là déjà? Rien, ma princesse. On ne faisait rien du tout, ma princesse. Comment oses-tu devenir un menteur? Cela veut dire que je ne sais pas ce que je vis? Non, ma princesse. Maintenant, vous êtes mariée? Non, ma princesse. Non, ma princesse. Oh, vraiment? Au lieu d'aider vos parents avec le travail ménager et les champs, vous leur laissez chercher de la nourriture seule. Vous avez choisi de rester ici et s'embrasser. Vraiment désolée, ma princesse. Désolée, nous sommes vraiment désolés. Toi,
ma princesse. Amenez-les au palais et ligotez-les. Ah, bien, ma princesse. Vous saurez ce que je vais décider de faire avec vous. Allez, bouge. Dégagez de mon chemin. Bouge, bouge, bouge. Dépêche. Dépêche-toi. Allez, en avance. Dépêchez-vous. Ma princesse, pourquoi nous arrêtons-nous? Je pense que nous devons attendre l'arrivée d'Angouille avant de procéder. Très bien, ma princesse. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé, princesse. Bien. Merci, ma princesse. Avançons. Allez, vous tous qui vous trouvez ici, prenez les vases qui vous appartiennent et allez-vous-en immédiatement. La princesse de notre terre est ici pour prendre un bain et vous est demandé de ne pas revenir, jusqu'à ce qu'elle ait fini. Allez-vous-en maintenant. Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Hé, hey, toi! Reviens ici. De ce côté. Ah, ma princesse. De quoi est-ce que tu rien, parlais? Rien, ma princesse, rien. Désolée, ma princesse. Désolée. Hé, hey, reviens ici! Toi, ma princesse, amène-la au palais et ligote-la. Très bien, ma princesse. Tu t'en souviendras de cela. Mets-la à côté. Tout de suite, ma princesse. Avance. Mets-la à côté. Avance. Avance, 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 vite. Princesse, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que je sors? Princesse, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment tu peux incarcérer innocemment les enfants d'autrui? Qu'est-ce qui t'en fait? Oh, c'est à propos de ceux qui sont là-bas. Ah, bien que tu dois les savoir, ils m'ont insulté. Moi, Princesse Uwe,
Je vais tellement m'occuper d'eux pour que quand la prochaine ils verront mon ombre, ils seront prudents. Qu'est-ce que tu penses gagner dans tout ceci? Ma fierté. Ta fierté? Bien sûr que tu sais que ma fierté est trop importante pour moi. Ils seront jusqu'à ce que je changerai mon avis. Maman, ne fais pas quelque chose de stupide ou de si drôle. Une chose, papa est au courant de ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, mon Dieu? J'en paierai le prix. Igwe! Igwe! Obi-Wan! 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 Mais qu'est-ce qui ne va pas, princesse? On ne peut pas rester en paix dans les palais. Obi-Wan, tu es en train de chercher ma tête. Je pense que je t'avais interdit de te mêler dans mes affaires. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires, Obi-Wan? Ce que tu appelles les affaires, ce sont les gens. Et ils méritent d'être là-bas. Est-ce que tu as compris? Moua! Princesse, ferme-la, où est-elle? Toi! Obi-Wan, comment oses-tu me parler ferme de la sorte? Ferme ta bouche! Ferme-la! C'est parce que mon père approuve tout ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et je suis à la tête de ce trône. Ne me pousse pas à agir! Oh! On verra! Obi-Wan, on verra! On verra face à face! Prochainement encore. Tout celui qui se bat pour ce qui lui revient de droit recevra toujours l'hospitalité venant des dieux. Juste comme la guêpe n'oublie jamais le chemin vers sa ruche afin qu'elle s'y repose pour son prochain combat. C'est ainsi que vous irez et reviendrez. Idiéi, le dieu de nos ancêtres, vous guidera et vous protégera. Et t'es où là? Et t'es où là? Igeje, Iganata. Demain matin, quand vous commencerez votre voyage, Idiéi, le dieu de nos ancêtres, vous guidera et vous protégera. Ise. Ha ha ha.
Aïe, vous irez et reviendrez. Fiston. Votre Majesté. Où est-ce que tu vas comme ça? Faire un petit tour, comme vous pouvez le voir. Très bien, c'est toi que j'attendais justement. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Votre honneur, ça ne peut pas attendre que je revienne. Je suis vraiment en retard, il faut que j'arrive là-bas avant. S'il vous plaît. Très bien. Pourquoi ne pas y aller avec des gardes? Les gardes? Pour m'accompagner? Ça c'est une distraction, je ne vais pas. Très bien, sois prudent. Merci, votre honneur. Arrête-toi! Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Votre Majesté. S'il vous plaît. Voici le prince du royaume d'Alumuna. Oh,
Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre Majesté. S'il vous plaît. Il a l'air sans défense. Oui, ce n'est pas notre problème. On l'amène avec nous. Prenez-le. Avance. Avance. Dépêche-toi. Ne me fais pas perdre patience. S'il vous plaît. Allez, dépêche-toi. Laissez-moi. Dépêche-toi vite. Dépêche-toi. Partir. Mon père ne sera pas du tout clément. Ne m'énerve pas. Avance, avance. Hé, hey, toi là-bas, où est-ce que tu penses que tu vas comme ça? Tu viens avec nous, tout de suite. Femme, qui y a-t-il? As-tu vu notre fils, dis-moi? Ah, pourquoi demandes-tu? N'est-il pas revenu de la chasse? Non, je ne l'ai pas vu depuis le matin. T'avait-il dit qu'il irait voir ses amis après avoir chassé? Je suis passé par ses amis, aucun d'eux ne l'a aperçu. Non, mon fils ne peut pas disparaître comme ça. Il doit être quelque part dans la forêt. Garde! Maintenant, allez tout de suite le chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, rassurez-vous de revenir ici avec lui. Même de force, si cela est nécessaire. Allez-y. Bien, Majesté. J'ai pris que mon fils soit sain et sauf. J'ai pris qu'il soit en sécurité. Rien ne va lui arriver. Je suis sûr qu'il est quelque part en train de jouer. Va me prendre ma nourriture, j'ai faim. Mon roi, je suis vraiment ébloui. Je suis vraiment ébloui. Hein? Comment avez-vous fait pour capturer ce stupide garçon, le prince? C'est pourquoi je vous ai tous amenés ici. Pour vous raconter tous les détails. Hein? Nous étions en route pour le village d'Alumuna. Hein? Quand nous avons vu le prince faire la chasse dans la forêt. Hein? Vraiment, il était tout seul. Alors d'après ma sagesse, j'ai décidé que nous nous retirions. Mais que nous prenions le prince pour otage. C'est comme ça que nous l'avons attrapé. Igwe,
Quelle manière parfaite de prendre une avance sur le royaume d'Alumuna. Vraiment, c'est parfait. Igwe, que comptez-vous faire de lui maintenant? Dites-nous un peu. Non, ce garçon ne nous a pas rien du tout. Pas du tout. C'est juste une façon de punir son inutile de père pour toutes les choses inutiles qu'il a faites à notre exact. Père. Je parie qu'il ne sait même pas où se trouve son fils. Ils peuvent penser qu'il se trouve sûrement ici. Et ils peuvent décider de venir ici. Non, il ne fera pas une telle chose. Il ne le fera pas. N'a-t-il pas peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un lui-même qui nous a vu enlever son fils? Oh. Non. Qu'il reste là-bas, pendant que nous sommes ici en train de planifier notre attaque. Vous n'avez donc engagé aucune guerre. Et notre Igwe, ainsi que nos guerriers, sont rentrés sains et saufs. Oui. Igwe, vous êtes en pleine situation. Igwe, c'est merveilleux. De faire face à cette bête. Oh. Maintenant, nous avons son seul et unique fils. En notre possession, au cas où il vient encore nous attaquer. Voilà. Igwe, allons sur le pressé. Vous êtes Igwe, vous êtes magnifique. Oh. Donc, comme je te disais, un travail fait à temps est toujours meilleur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. A toujours été le mieux. Nul ne sert de courir quand on peut aller à temps. Quand on peut aller à temps, c'est donc, vrai. Donc, nous devons tenir le serpent par mais la tête. Ono, attends. Je dois être franc avec toi. Je ne suis vraiment pas confortable avec la décision de notre roi, celle d'enlever ce garçon. Cela pourrait nous conduire à plus de malheur. Ichiro Sakue, n'essaie pas de troubler ma mémoire, s'il te plaît. Igwe Njoko, je le connais très bien. Il est très têtu. Essaie un peu de penser à ça. Je ne comprends même pas pourquoi il est égoïste. Je ne sais pas. Parce qu'il sait très bien que c'est un autre tour de cultiver sur cette terre. Je connais très bien Igwe Njoko depuis très longtemps. Il est très égoïste. Alors je ne suis pas surpris. Maintenant, vois ce que son pauvre et innocent garçon est en train de souffrir. Dépêché de son père. Oh, il doit endurer cela. Mais je connais très bien mon Igwe. Et il ne s'arrête jamais aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu ce qu'il nous désire. Nous devons revendiquer notre position. Bam. C'est tout ce Bam. Qui compte. Je suis Allons heureux. Dedans. Je suis heureux. Oh no. Merci infiniment parce que maintenant je suis confortable et heureux. Cher Ichie. Igwe. Aussi Igwe était ici. Et il m'a dit que certains de ses hommes ont surpris la princesse de Ikogwe dans la forêt d'Amin. Ils l'avaient capturée. Mais elle s'est échappée. Les anciens, nous avons un problème. Hey, le peuple de Ikogwe ont vraiment osé nous faire ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Igwe, aussi loin que cela me concerne, cet acte de méchanceté ne doit jamais rester impuni. C'est vrai. Je n'ai pas envie de croire qu'ils ont tué notre prince. Tout fit à quoi? C'est sans effet. Je ne pense pas qu'il puisse faire du mal au prince. Et à ce qu'il paraît, c'est très évident qu'ils veulent nous punir pour ce que nous leur avons fait. Mais Votre Majesté, vous êtes en train de parler du prince, l'héritier de ce trône. Est-ce que vous vous rendez compte? Je comprends cela. Nous allons bel et bien leur répondre, certes, mais pas maintenant. Pour l'instant, prétendons juste que rien ne s'est passé. Je crois sûrement qu'ils ne savent pas que nous savons qu'ils ont quelque chose à voir avec ça. Avec tout le respect, Igwe, le fait que la princesse de Ikogwe a été trouvée aux alentours de ce village le même jour où le prince a disparu. C'est une claire indication qu'ils savent quelque chose sur ça. Oui. Bien sûr, ils savent. Ils savent. Hey. Mais vous savez, un adulte utilise la sagesse pour chasser la mouche qui se trouve sur ses parties intimes. Oh oui. Parole de sagesse. Nous n'allons pas répondre immédiatement. Asseyons-nous confortablement et réfléchissons sur la meilleure façon d'approcher ceci. Mais une chose est certaine. Ils en paieront de leur vie. Ça, c'est vrai. Ils le paieront. Oui, c'est vrai. Papa, qu'est-ce qui s'est passé?
Je vis un jeune homme inutile dans la prison. Qui est-il? Oh, lui, c'est le prince d'Alumuna. Quoi? Tu as pris le prince d'Alumuna en otage? Pourquoi? N'est-ce pas mieux? Tous les guerriers et moi étions en route vers Alumuna pour une bataille. Quand on a vu le prince, on a décidé de le garder captif. Au lieu d'aller dans une guerre qui aurait été sanglante. Quel est le moyen dont tu as utilisé pour le garder ici? Nous voulons lancer un message à son père, afin qu'il arrête de tuer notre peuple, afin qu'il nous laisse cultiver sur la terre d'Igodo. Non, non, papa, ça c'est anormal et trop méchant. Son fils ne peut pas payer pour le péché de son père. Ce n'est pas si bien. Olachi, la vie d'un seul villageois du royaume du Kogwe a plus de valeur que la sémence d'un mauvais homme. Il restera ici pour aussi longtemps que son père refusera d'arrêter de tuer notre peuple et de nous permettre de cultiver sur ces terres. Papa, il est innocent. Ce n'est pas gentil. Cet homme est innocent. Pourquoi l'emprisonner ici? Je sais pas ce que... Il reste ici. Il reste ici. Tu pleures encore. Où est mon fils? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Notre fils reviendra à la maison. Qu'est-ce qui te rassure? Je t'ai averti. N'est-ce pas que je t'ai conseillé? Je te l'avais prévenu, mais tu ne voulais pas m'écouter. Au fond, je peux penser qu'il a réussi à me battre. Mais cela sera sa plus grande erreur. Va juste me trouver mon fils, Igwe. Je ne peux imaginer la douleur et la souffrance par lesquelles je passerai. Là, s'il est toujours en vie. Écoute, je t'assure que rien ne va arriver à notre fils. Sois juste patiente et laisse-moi réfléchir de la meilleure manière d'en finir avec ça. Je veux faire mal à Ufoji d'une manière dont il n'oubliera jamais. D'ailleurs, je veux le voir respirer son dernier souffle pour avoir défié un tigre comme moi. Pourquoi tu ne le laisses pas faire les champs? Pour qu'il me ramène mon fils, Bikonu. Ils ne cultiveront jamais sur ces terres. Jamais. Pas cette saison ou la prochaine. Et d'ailleurs, ils n'utiliseront plus jamais ces terres. Pour ce que vient de faire au Foji. Jamais. Igwe. Igwe, si quelque chose de mal arrive à mon fils. Si jamais quelque chose de mal lui arrivait. Je jure que je ne te pardonnerai pas. Mais où vas-tu au juste? Reviens vite dormir. Papa, je dis juste ta femme, la reine. Elle ne se sent pas du tout bien. C'était pas la façon dont tu étais avec elle la fois passée. Tu connais ta mère. Elle s'inquiète toujours, de plus en plus. Je lui ai rassuré que Obi-Moi est sain et sauf et en vie. Mais elle ne me croit toujours pas. Elle ne veut même pas m'écouter. Papa, vous savez que moi et Obina, on n'est pas si bons amis. Il reste mon sang. Ah, je me demande comment il est tombé follement entre les mains de Okume et Kwikwi. Mais papa, on doit faire quelque chose. On ne peut pas continuer de vivre dans cette souffrance. Ma chère fille,
Quand un homme est silencieux, il n'est pas stupide. Il a simplement un tas de choses dans sa mémoire. Ofoji m'a défié moi. Et il ne vivra pas longtemps pour regretter ses actions. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ton cher frère sera bientôt libéré. J'ai déjà fait mes plans. Et il ne me reste plus qu'à les mettre en action. Et ton cher frère reviendra à la maison. Papa, tu sais que j'ai apprécié ton jugement. Et je vais commencer à suivre tes pas maintenant. Mais... tu vois cette terre. Ne leur permette jamais de le trouver encore. Sinon, je le mettrai loin de celle-là. Ça, c'est ma chère fille. Tu sais que nos esprits ont toujours été liés. C'est exactement ce que j'ai dit à ta mère. Et ainsi sera-t-il. Bien. Papa, tu sais que je suis trop fière de toi. Tu es ma fille, je n'en doute pas. Papa? Oui, mon fils. Tu es rentré. Tu es en train d'arranger les bois. Oui, papa. Oh, ça, c'est bien. Papa, j'ai pensé à quelque chose. Tu pensais à propos de quoi? Ils ont kidnappé les fils d'Igwe Injoko. Penses-tu pas qu'ils sauront que notre Igwe est derrière tout ça? Eh bien, je ne sais pas, mon fils. Nous n'avons pas entendu parler du Igwe Injoko, encore moins de son peuple. Penses-tu pas qu'ils sont en train de préparer un truc de mauvais? Un truc mauvais. Bien, je ne sais pas. Mais je suis sûr que le roi Ofoji a instruit à tous ses guerriers, aux guerriers de cette terre, d'être en alerte. Ce n'est pas une bonne décision, papa. Ils doivent relâcher les fils parce que c'est une mauvaise décision. Vraiment sous le fait que... Nandi, papa, assez parlé maintenant. Occupe-toi de ton travail. Hein? Nous sommes tous ici en attendant leur réaction. Ok, papa, comme tu l'as dit. Mais je ne suis pas d'accord avec cette décision. Mes salutations, ma princesse. Il a été nourri? Pas encore, ma princesse. Alors, on va lui trouver quelque chose à manger maintenant. Vas-y. Comment tu vas? Je sais que tu es blessé. Mais je veux que tu comprennes que je ne soutiens pas la décision de mon père de te garder. Alors laisse-moi partir. Si tu ne l'approuves pas, mais libère-moi alors. Je le ferai. Je sais que tu ne seras pas capable. Mais écoute-moi bien. Va dire à ton stupide père de me libérer de cet endroit. Je le jure devant mon Dieu, il va payer pour ça. Peux-tu juste te calmer? Je suis de ton côté. Libère-moi de cet endroit si tu es de mon côté. Mais libère-moi, je ne mérite pas tout ça. Je sais. Mais ce n'est pas si facile comme tu le veux. Mais libère-moi. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Ton peuple paiera pour ça. Toi et ton peuple et ton père paieront pour ça. Vous connaissez bien mon père. Vous le connaissez bien. Votre Majesté. Aussi, Gwe. Oui, Votre Majesté. Dis-moi que la personne que tu as envoyée a vu mon fils. Votre Majesté, les gens que j'envoie cherchent partout, mais ils n'ont pas encore trouvé là où le prince est retenu. Votre Majesté, je pressens comme s'ils ont tué les princes. Non, ce n'est pas possible. Je ne crois même pas en ça. Igwe Ofoji peut être stupide,
mais il ne pourra pas faire quelque chose qui pourra attirer la guerre sur sa terre. Il ne ferait jamais cela. Voulez-vous dire qu'il n'y aura pas la guerre, Majesté? Oh, bien sûr qu'il y aura la guerre. Nous allons définitivement faire tomber le village du Kwogo. Mais avant tout ça, nous devons faire sortir mon fils de là, avant l'attaque. Votre Majesté, vous avez dit qu'il est prince d'être vivant. Je n'ai aucun doute à propos de ça. Ils doivent sûrement le cacher quelque part dans le palais. Igo Foge voulait attirer mon attention et il va l'avoir définitivement. Prépare vite tes hommes. Nous allons définitivement faire tomber ce village. Nous allons tuer absolument tout le monde. Bien, Votre Majesté, je ferai exactement ce que vous avez dit. Bonjour, ma princesse. Laisse-nous. Vous voulez dire que je dois partir? Laisse-nous maintenant. Oui, ma princesse. Je ne vais pas les prendre. Tu as besoin de ça pour garder des forces. J'en veux pas, les tonneaux. Tout ce que je veux, c'est ma liberté. Je me fiche de savoir si ton père veut ou pas. Je n'accepterai pas que tu puisses insulter mon père. Et tu feras quoi? Qu'est-ce que tu feras? Dis-moi. Je peux voir que tu n'as pas besoin de mon aide. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je... Princesse, s'il te plaît. Je m'excuse de t'avoir parlé impoliment. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir parlé ainsi. Je sens que tu n'approuves pas cela. Je sais. Voilà pourquoi je cherche à t'aider à sortir de cet endroit. Mais je voudrais que tu puisses pardonner à mon père pour t'avoir fait ça. Après tout, ton père a été si méchant envers mon peuple. Je n'ai jamais soutenu mon père. J'étais contre lui. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de cet endroit. Promis. Je le ferai. Je le ferai. Tu sais qu'il y a toujours des gardes qui te surveillent. Je vais chercher un temps propice pour te faire sortir de là, ok? Ça prendra combien de temps? Pas très longtemps. Tu as assez souffert. Donc je ne te laisserai pas souffrir assez longtemps. Merci beaucoup. Merci, princesse. Mon nom est Olachi. Oh, Olachi. Merci beaucoup, princesse Olachi. Je m'appelle Prince Obignon. Je suis Obignon. Alors, veux-tu maintenant prendre de l'eau? Bien sûr. Ça va? Merci. Tu n'as pas l'air heureuse. Je sais que tu ne m'écoutes pas. Et tu ne prends pas mes conseils au sérieux. Je t'en prie, Igwe. Laisse partir ces pauvres garçons innocents. Il n'a absolument rien fait pour mériter ce genre de traitement. Je ne me rappelle pas de l'avoir maltraité. Alors tout ça vient d'où? Partez, laissez-nous. Oui, Majesté. L'enfermer dans cette cage est un acte monstrueux, mon roi. Si je te comprends bien, qu'est-ce que tu espères? Tu veux que j'organise une cérémonie de bienvenue pour lui? Ou tu veux que je le couronne comme héritier de ce royaume, c'est ça? Pour te rendre heureuse? C'est ce que tu veux? Ce que je sais de dire est que tu le laisses partir. Il a assez souffert. Son père viendra ici le chercher quand il découvrira qu'il est ici avec nous. Alors cela ne devrait pas t'inquiéter. Essaies-tu de dire qu'il restera là-bas jusqu'à ce que son père viendra?
Pourquoi ce jeune homme te préoccupe-t-il autant, dis-moi? C'est le fils d'un homme très méchant et très mauvais. Il mérite même la mort. Punir ces garçons, à cause du péché de son père, n'étaient pas différents de son père. Cela vient juste de sortir de ta bouche. Disparais de ma vue, maintenant. Je vais avoir un peu de repos. Je savais que tu allais dire ça. Je dis va-t'en. Qu'est-ce que c'est? Ma princesse, votre père nous a instruit de ne plus vous laisser sortir de ce palais. Pourquoi? Nous ne savons pas, ma princesse. Écartez-vous de mon chemin. Désolé, ma princesse. Votre père nous a instruit de ne pas vous laisser sortir de ce palais, ma princesse. Je dis, sortez de ma vue. Je risque de faire quelque chose que vous n'allez pas apprécier. Dégagez! Dégagez de mon chemin! Bon, où veux-tu aller? Père, je pars à la chasse. Je ne te le permettrai pas. J'ai donné des instructions à cet effet. Et pourquoi? Il n'était pas permis de quitter ce palais jusqu'à ce que tous les problèmes que nous avons soient résolus. Le problème que tu nous as apporté à cause de tes décisions... Naolachi, si ce n'était pas ma fille, je t'aurais déjà mordu la langue. Tu ne quitteras ce palais pour rien au monde jusqu'à ce que je résolve tous les problèmes que nous avons. Écoute, Olachi, tu dois comprendre que ton père ne peut pas rester calme quand son peuple est privé de ses droits. Papa, qu'est-ce que tu essaies de faire en gardant son fils enfermé? Mais c'est de la méchanceté! Je ne ferai pas d'échange de paroles avec toi. Retourne dans tes appartements, maintenant. Un pas de plus, je veux dire un pas de plus. Et je te répudie. Rentre dans tes appartements. Maintenant. Stupide, levez-vous. Levez-vous. Femme, pourquoi es-tu en train de pleurer ici à 7h de la nuit? Ndjoku, j'ai besoin de mon fils. Maman! Ugo, tu ne m'as encore jamais appelé par mon nom. C'est pour te montrer combien je suis sérieuse. J'ai besoin de mon fils. Ça fait déjà une semaine qu'il est porté disparu. Igwe, et tu n'as rien fait d'insignifiant. Comment sais-tu que je n'ai rien fait pour ça? N'est-ce pas que c'est évident? N'est-ce pas ça? La dernière fois, tu as dit que tu avais envoyé les guerriers qui sont rentrés ici sans suite. Maman, ça c'est vrai. Nous travaillons sur ça. Exact, ma reine. Mais ils doivent le faire à ma manière. Tu ne peux t'attendre à ce que j'aille chez Kogo de façon impréparée. Non. Écoute-moi. Je te promets, je ramènerai notre fils à la maison. Mais je dois adopter une très bonne approche. Igwe, tu ne sais pas ce qui se passe maintenant. Est-ce que tu as le temps pour faire tout ça? Écoute, Ofoji ne fera jamais de mal à notre fils. D'ailleurs, il prend très bien soin de lui, que je le sache. Oui, maman, papa a raison. C'est juste pour attirer notre attention. Ils ne tueront pas Obi. Écoutez ce qu'il raconte. Écoutez ce que vous dites. On dirait que vous étiez là avec lui. Igwe,
J'ai besoin de mon fils. Je veux le voir. Si quelque chose de mal lui arrive. Mais femme, combien de fois vais-je devoir te dire ceci? Rien ne va arriver à notre fils. Il va bien, d'accord? Il va bien. Je veux le voir. Igwe, je vais l'avoir dans mes bras. Je veux voir mon fils. Chut. Je dois aller. Je veux revoir Robina ici. Je vais rester ici, en prière. Pour que le Dieu épargne la vie de mon fils. Ma reine, tu ne peux pas rester ici dehors, s'il te plaît. Nos ennemis sont presque partout aux environs, je t'en prie. Allons à l'intérieur, ok? Igwe, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Igwe, laisse-moi, je vais rester ici. Oh. Je t'en prie, allons à l'intérieur. Non, laisse-moi. Ce n'est pas non. prudent ici, s'il je te plaît. Je ne vais pas entrer. Je t'en prie, allons à l'intérieur. Je t'en prie. Je vais rester prier. Je t'en prie, allons à l'intérieur. Je ne vais pas entrer. Je t'en prie, ça va, allez, viens. Allez. Rien ne va lui arriver. Tu verras, rien du tout. Oh, merci beaucoup pour ta gentillesse. Je ne sais pas si je serai quoi sans toi. J'ai reçu l'ordre de ne pas quitter le palais. Hein? Mon père a donné l'ordre aux gardes de ne pas me laisser sortir. Pour quelle raison? De peur que ton père et ton peuple puissent le punir pour ce qu'il a fait. Oh. Alors qu'en est-il de ta promesse de me faire sortir de là? Je n'ai plus d'espoir. Oh non. L'espoir n'est pas perdu. Je t'avais promis et je vais réaliser ma promesse. Tu ne peux pas quitter le palais. Nous sommes tous incarcérés. C'est ce que je commence à croire. Je commence à penser que mon espoir de quitter ici est parti. Oh. Je t'avais fait une promesse. Et je vais la réaliser. Je te ferai sortir d'ici. Je vais trouver un autre moyen. Je ne peux pas accepter que tu puisses souffrir pour le péché de ton père. Merci beaucoup. Ne me remercie pas d'abord. Une fois que je te ferai quitter ces lieux, là au moins tu peux me remercier. Mange ta nourriture. Je n'ai même plus l'appétit. Allez, mange! Votre Majesté. Le Grand Lion. Je vous salue. Oui, Votre Majesté. Sommes-nous prêts? Nous sommes prêts. Très bien. Je veux que nous préparions notre coup pour attaquer le peuple d'Ikogwe. Je veux que nous puissions leur faire très mal. Mm-hmm. D'ailleurs, je veux que vous puissiez éradiquer tout le village. Peux-tu faire cela? Les grands lions du royaume de Lumuna qui fait peur au royaume d'éléphants. Je suis un guerrier et je suis prêt à protéger ce royaume au péril de ma vie. Oh, oh, bien parlé. Viens là et assieds-toi. Écoute-moi. Tu sais qu'ils gardent encore mon fils captif. Je crois d'ailleurs qu'ils sont en train de le garder à l'intérieur du palais. Parce que les gens que vous avez envoyés ont cherché absolument partout dans le village entier, sans pourtant le trouver. Donc, je veux que nous réfléchissions sur la meilleure approche à ceci afin que nous ne puissions vraiment pas les pousser à tuer mon fils. Votre Majesté, si vous le voulez, je propose qu'on les attaque la nuit. Et tu penses qu'ils ne seront pas là à nous attendre? Tu penses qu'ils sont assez fous pour ne pas nous attendre la nuit?
Écoute. Si seulement nous les attaquons la nuit, ça sera un total fiasco. Quel que soit ce que nous avons à faire, nous devrons le faire en plein jour. Alors que nous pouvons nous préparer à une quelconque attaque, toi et tes hommes. Mon roi, avant d'aller à la conclusion, je pense que nous devrions visiter Igweofoji et enfin découvrir si c'est vraiment eux qui détiennent notre prince. Pourquoi donc? C'est bien eux qui retiennent mon fils. Ou n'as-tu pas entendu parler d'eux? Des guerriers qui avaient capturé la princesse de leur terre et qui l'avaient laissé stupidement s'échapper? Oui, c'est bien eux. C'est bien eux qui retiennent mon fils. Votre Majesté, si je peux proposer mon idée, ma suggestion c'est que ils devraient passer par la rivière d'Amiti. Et ça devrait les conduire jusqu'à Igweofoji, son palais. Vraiment facile, je crois que c'est ma compréhension. Donc, tiens au bout, cette rivière Amiti dont tu parles est plein d'animaux dangereux. Alors, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Ils ne devraient pas traverser cette rivière. Votre Majesté, Ichi, voyons très rapidement comment nous allons sauver notre prince. Il a disparu, ça fait plus d'une semaine maintenant. La reine n'a pas été elle-même depuis que ceci est arrivé. D'ailleurs, elle ne dort plus du tout la nuit. Elle pleure la plupart du temps. C'est ce pourquoi Igweofoji doit payer pour ça. Voilà. Mon image de la beauté. Laisse-nous. Oui, Majesté. Princesse. Père, j'ai besoin de rester seule. Oh, ma chérie. Je sais que je t'ai contrarié. Mais la restriction de tes mouvements, c'était pour te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. J'ai pas besoin que tu me surveilles, que tu contrôles ma vie. Olachi, tu es une princesse. Et tu es la cible principale de nos ennemis. Je ne veux pas que tu quittes ce palais, parce que quitter ce palais serait une chose vraiment très dangereuse que tu vas faire. Et je ne veux pas que tu risques ta vie. Tu as gardé en détention le fils de quelqu'un. Tu t'attends à ce que son père puisse faire quoi? Ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il donne au peuple leur droit de cultiver sur cette terre. Je ne suis pas venu ici pour faire un échange de paroles avec toi. J'ai appris que tu n'as pas mangé il y a déjà des jours. Je vais te dire que ce n'est pas bon pour toi. Je n'ai pas besoin de ta nourriture. Je n'ai besoin de rien. Je vais juste mourir et aller très loin de tous ces problèmes. Je ne saurais pas vivre dans les confinements pareils. Ma princesse, l'image de la beauté. Ne parle pas comme ça. Ce n'est que temporaire. Tu es juste en train d'enflammer le feu de la guerre. Et j'espère que tu es prêt pour ça. Je veux que tu ailles manger quelque chose. Je te promets, tout ceci prendra fin bientôt. Dans ce cas, laisse-moi seul. En tout cas, je ne pouvais pas m'imaginer que tu étais si méchant et sans cœur. Olachi, un jour, tu t'assieras sur ce trône et sur ce marchepied d'autorité. Alors, tu vas me montrer comment tu vas laisser les gens marcher sur ta tête et piétiner tous tes droits. Père, je n'ai jamais dit que ce que fait Igweofoji est correct. Mais garder son fils en captivité, c'est inhumain et très méchant. Papa, ce garçon est innocent. Il reste là. Oh, non. C'est pas juste. C'est pas bien. Mets à genoux. S'il te plaît, ma fille, ça fait à présent 3 jours que tu refuses de manger. Donc je vais rester comme ça jusqu'à ce que tu manges.
Je n'ai pas faim. Mensonge. Comment peux-tu dire que tu vas bien pendant que tu n'as pas mangé depuis 3 jours? Je préférerais mourir que de voir t'épinir de cette façon. Tu ne vas pas mourir. Ok, je vais manger. Lève-toi. Mets-toi debout. Merci, ma fille. Je sais bien que ce que ton père a fait est mauvais. Et je ne fais que lui demander de relâcher ses garçons. Mais il refuse. Mais pourquoi fait-il cela? Ces garçons souffrent pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Je me sens vraiment mal pour lui. Moi aussi, je ressens de la peine pour lui. Mais ton père a décidé de les garder captifs jusqu'à ce qu'il dira tout ce qu'il sait. Pas question. Mère, il est hors de question que je reste dans ce palais et laisse ces garçons souffrir. Pas question, je ne le ferai pas. Ma fille, nous devons être patientes. L'essentiel est que ce garçon va bien. Il finira par le relâcher. À présent, il m'interdit de sortir. Comment vais-je survivre en restant cloîtré dans ces palais? T'inquiète pas. Je vais causer avec les gardes à propos. Tu le feras. Mais tu dois être vraiment prudente. Tu sais que le peuple d'Alumuna est à ta recherche. Tu vas causer avec eux? Je le ferai. Ok? Allez, tu calmes. Ça va aller. Mais je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Allez, mets-toi, ma fille. Mange ta nourriture. Prends place. Allez, s'il te plaît. Garde! 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 Sortez-moi de cet endroit! Garde! Mais c'est quoi? As-tu perdu la tête? Vous êtes malade! Amérite, t'es là comme un animal! Laissez-moi partir! Vas-tu fermer ta bouche? Vois-tu comment tu déranges la paix de ce palais? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est vous qui créez des désordres dans ce palais! Pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi vous me gardez encore ici? Laissez-moi partir! Si mon père arrive ici, il va vous tuer! Non, tu rêves! Tu vas rester là jusqu'à ce que tu meurs! Vous allez regretter d'avoir agi ainsi! Si mon père arrive, il va tous vous tuer! Ça, je vous le promets! Tu oses me parler comme ça? Je vais entrer là-bas et finir avec toi dans ma home! Viens! Si tu es un homme, je vais te briser morceau par morceau! Tu es un homme, entre ici, je vais te tuer! Je n'ai pas de temps pour toi! Tu peux continuer à crier jusqu'à succomber! Idiot! Entre là! Maman, pourquoi tu fais tout ça à toi-même? Tu veux te tuer toi-même avant que Obinna rentre? Papa t'a montré que Obinna va bien et il rentrera bientôt. Mais tu ne veux pas l'écouter. Il n'y a pas un moyen que cet homme touche à Obi. Il ne peut pas oser cela. Parce que s'il fait cela, cet homme dira au revoir à son royaume. Je connais mon père. Il les écrasera tous. Ton père t'a tellement possédé. Quitte de ma présence. Maman, tu dois être en joie que mon papa et ta fille. Quitte devant ma présence. Va-t'en. Arrête d'être comme une lâche. Faut pas oser, maman. Tu sais, je suis fatiguée d'une femme qui peut penser comme ça. Si tu n'étais pas mon maman, tu allais regretter tout ça. Elle me défie. Papa, il y avait une histoire que tu me racontais quand j'étais encore petite. Hugo, tu vois ce que tu vas? Salutations, ma reine. Maman, où tu vas? Arrête-toi là. Où crois-tu aller comme ça?
C'est à toi que je parle. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Igwe, je vais à la recherche de mon fils. C'est là que je veux. Mais de quelle stupidité est-ce que tu parles? Maman, qu'est-ce que c'est? Arrête avec tout ça, arrête! Puisque vous n'êtes pas tous les deux préoccupés de ces problèmes, je vais à Ikogwe récupérer mon fils. T'es-tu entendu parler? D'après ce que tu dis en ce moment, crois-tu pouvoir être raisonnable? Oh, tu veux aller à Ikogwe et peut-être voir au Foji pour qu'il relâche notre fils, n'est-ce pas? Oui, je ne serai pas dérangé de prendre sa place. Je veux juste qu'il me libère mon fils. Tu as promis de faire quelque chose, mais jusque-là, tu ne fais rien du tout. Maman, honnêtement, je ne sais pas ce que t'as pris ce matin. Je t'en supplie justement d'être calme et réfléchissons ensemble. Obi serait bientôt de retour. S'il te plaît. Tu as entendu ce que ta fille a dit. Retourne dans ta hutte. Njoku, je vais récupérer mon fils et tu ne peux pas m'arrêter. Oh, tu ne veux pas m'écouter? Tu veux t'attirer la honte, n'est-ce pas? Retourne dans ta hutte maintenant. Retourne-y tout de suite. N'importe quoi. Que sais-tu de prouver donc? Que tu aimes notre fils plus que moi? N'importe quoi. Juste vas-y. Que j'ose seulement te voir à nouveau. Ma princesse, quel est le problème? Papa, je ne suis pas vraiment heureuse. Pourquoi? Ça prend assez du temps. L'attitude de maman commence à me déranger. N'en sois pas troublée, ma perle rare. J'ai déjà envoyé Osigwe et ses hommes. En ce moment, Ofoji ainsi que son peuple vont sortir la puissance de mon impact. Ne t'en fais pas. C'est une simple histoire, papa. Papa, j'espère que tu n'oublies pas que je suis une guerrière. Ça ne me dérange pas que j'aille dans cette mission moi-même. Non, ma chère fille, je t'en prie, non. Écoute, crois-moi. Juste crois-moi, une fois de plus. D'accord? Ok, papa. Et si le mal arrive, alors je me battrai. Il faudrait mieux que nous soyons rapides et intelligents. Excuse-moi, papa. J'espère que vous êtes tous préparés. Oui, Majesté. Parfait. Mon roi, nous nous sommes déjà préparés. Bien. Le peuple d'Ikogwe vont sentir la force intégrale de notre guerre, en commençant par leur bâtard de roi. Et je veux une exécution parfaite de ces tâches. Osigwe. Mon roi. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Nous allons finir avec le village d'Ikogwe ainsi que son peuple. Et j'ai un plan parfait pour ça. Personne ne peut enlever mon fils et en sortir indemne. Personne. L'un d'entre vous devra aller me chercher le grand sage immédiatement. Toi, va chercher le grand sage. Mon roi, je vais vous sauver. J'ai entendu dire que le peuple d'Ikogwe ont commencé à cultiver sur ces terres. Je veux que tu leur délivres un message avant que nous puissions commencer la guerre proprement dite. Tu comprends bien de quoi je parle. Vos désirs sont des ordres, mon roi. Je veux que cela soit fait. Soigneusement. Sans aucune pitié. Fais en sorte qu'ils comprennent leur erreur. Est-ce bien clair? Très clair, mon roi. Allons-y, les guerriers! Allons-y, les guerriers! Allons-y, les guerriers! Allons-y, les guerriers!
Ma princesse, soyez comme demain, parce que demain ne finit jamais. Je suis à votre écoute. Mais mon roi, je veux que tu les éclaircies comment mon frère est en train de souffrir. Je veux qu'ils sentent l'impact. Je me fais comprendre. Ma princesse, je vous avoue que je ferai de mon mieux. Je suis faite pour ça. Bien. Je suis à l'attente des bonnes nouvelles. Tu peux maintenant quitter. Ma princesse. Hey! Je vous en prie, ne me tuez pas, je vous en prie. S'il te plaît, ne me tue pas. Je t'en prie. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu avais dit que nous allions planter sous la terre des Godo? Des maniocs ou bien... Igwe, je suggère que nous puissions planter des maïs. Des ignames ainsi que des maïs. Amouma! Qu'est-ce qu'il y a? Ton visage est vraiment étrange. Très inhabituel. Votre Majesté, vous devez voir ceci. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Votre Majesté, j'ai vu ceci devant ma porte ce matin. Et je suis sûr que les guerriers d'Alumuna connaissent ce chemin vers ici. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hey! À qui appartient ces têtes? Ceci sont les têtes des laboureurs, envoyées pour labourer notre terre. Amouma, mais comment ceci a pu se produire quand tu es avec tes hommes qui étaient autour de la terre du Godo? Votre Majesté, mes hommes avaient fait un break pour remplir leur ventre. Et avant qu'ils retournent, les guerriers d'Alumuna ont fait ceci et se sont échappés. Joku nous a défiés! Son fils paiera certainement pour ça! Hey, Votre Majesté! Avec son fils? Oui, son fils. Nous allons lui emballer la tête de son fils. Comme ça, il comprendra que le message que nous a envoyé a été bien transmis. Votre Majesté, voulez-vous sa tête maintenant? Attends jusqu'à demain matin, afin que la tête soit assez fraîche, avec beaucoup de sang. Hey! Voyez comment ces hommes sont vraiment violents. Dieu de nos terres! S'il vous plaît, sauvez-nous de ceci. S'il te plaît, nos dieux, hey! Garde, ceci est pour toi.
quoi dois-je cet acte de gentillesse, ma princesse? Tu peux me remercier pour le vin. Et plus tard, tu pourras remercier mon père pour la nourriture. Parce que son estomac est trop petit pour finir la nourriture que j'avais cuisinée. Merci, ma princesse. Que le Dieu te bénisse. Je t'en prie. J'espère que le cuisinier ne se plaint pas, qu'il la soif. Non, pas du tout. Pas du tout, il va bien. Ok. Il va bien. Tu peux aller manger et prendre une pause. Mm-hmm. Ah, très bien, ma princesse. Merci va manger, beaucoup. Bon appétit. Que le Dieu te bénisse. Vas-y. Je mange bien aujourd'hui. Oh. Papa, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si les princes meurent, c'est une déclaration de guerre. Exact. Ils ont demandé cela. Exact. Ils ont demandé cela. Pour avoir tué 5 de nos jeunes hommes. 5 hommes aguerris, mon fils. À la ferme du Godot. Hein? Le Higo n'avait pas d'autre option. À part celle de répliquer. Exact. Que les dieux nous aident. Aïe. Papa, je suis tellement confus. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Rien du tout. À part nous préparer pour la guerre. La guerre? Non. Papa, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais rejoindre les guerriers. Et je serai l'un d'entre eux. Et je vais protéger notre royaume. Nandi. Papa. Assieds-toi d'abord. Papa, je vais... J'ai dit assieds-toi. Écoute, Nandi. Ce qu'un adulte peut voir assis sous un arbre, un enfant ne le verra jamais. Même s'il montait au-dessus d'un arbre, j'espère que tu comprends. Si tu meurs, tu ne vivras pas une seconde fois. Nandi, sois sage. Non, papa, je ne comprends que tu ne sois pas... Vas-tu fermer ta bouche? Allez, entre à l'intérieur. Va à l'intérieur, amène-moi la nourriture. Mais papa, je voulais... J'ai dit juste... va à l'intérieur, amène-moi la nourriture. C'est quoi ça? N'as-tu plus d'oreilles? Hey! Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu as vu ce que je fais aux gardes. Oui. Obi, je dois te laisser partir parce que j'ai entendu mon père discuter avec les membres du cabinet. Il va avoir ta tête demain matin. Je veux que tu cours aussi vite que tes pieds ne te le permettront. Rentre à ton village. Oladji, merci beaucoup pour cette faveur. Je te promets que je ne vais jamais l'oublier. Pars. Cours. Cours aussi vite, ok? Pars. Vas-y, vite. Comment une telle chose peut arriver? Comment cela est arrivé? Cette garde doit pourrir en prison jusqu'à ce qu'il va me donner le prince qu'il a perdu. Comment quelqu'un peut juste venir ici et perdre quelqu'un que j'ai enfermé? Comment est-ce possible? S'il te plaît, mon mari, épargne ta vie. Non, je ne peux pas l'épargner. Il va mourir dans cette cellule. Il mourra là-bas s'il ne me retrouve pas le prince. Quelqu'un que je fais enfermer pour une bonne raison. Donc, mon palais devient un terrain de jeu maintenant. Quelqu'un peut venir un jour ici et même me prendre ma femme, c'est ça? Oh. Garde, allez me chercher Amouma, maintenant. Cherchez-moi Amouma. Comment est-ce possible? Dans ce palais. Alors un jour, quelqu'un viendra ici et prendra ma femme. Je t'en prie, Naï, calme-toi. Hein?
Toi là-bas, va m'appeler le guerrier aussi, Igwe. Oui, Majesté. Mon prince, mon roi, le prince est là. Ah, 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 Obi! Hey, mon fils, papa. Je suis fatigué. Que les dieux soient doués. Est-ce bien toi? Oui, père. Viens, 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 viens t'asseoir. Je crois que je n'allais plus te revoir. Désolé, mon fils. Je suis heureux de vous voir. Ils ont voulu me tuer. Entrons dans le hut. Ils voulaient vraiment ma mort. Comme ça, tu vas bien te reposer. On y va. Désolé, hein. Papa, ils paieront pour ça. Ils paieront vraiment pour ça. Ofoji. Ofoji. Mais c'est un sacrilège. Comment le peuple d'Alumuna a découvert que nous avions leur prince? Comment l'ont-ils appris? C'est toi qui leur as dit? Non, je ne l'ai pas fait. Qui parmi vous leur a dit? Non, Igwe. Je suis en train de suspecter... Bien, Ichemodu. Dis-nous la vérité. Et fais que nos ennemis soient couverts de honte. L'as-tu fait ou ne l'as-tu pas fait? Mais qu'est-ce que j'entends là comme ça? Comment puis-je vraiment trahir mon peuple? Non, 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 Osakwe, ne blague pas avec ça. Mes mains sont propres. C'est très simple. Ou bien, l'as-tu fait ou ne l'as-tu pas fait? Que le dieu s'occupe de toi. C'est moi. Comment peux-tu m'accuser de la Attends, sorcière? Je l'ai fait. Tu as fait quoi? Je les avais dit. Tu as fait quoi? Ma princesse. Que viens-tu de dire? Connais-tu les implications de ce que tu viens de dire? Le jour que vous étiez parti à la guerre, je vous avais suivi secrètement à Lumuna. J'avais emprunté la route de la rivière d'Amechi pour ne pas être aperçu. Tu as fait quoi? Une fois arrivé là-bas, j'étais surprise de ne pas vous trouver. Et de ce fait, des de leurs guerriers m'avaient attaqué. Alors je m'étais battue avec les deux guerriers. J'avais réussi à m'échapper et rentrer rapidement ici au palais. Oh, ma princesse. Alors ils l'ont appris à cause de toi. C'était à cause de toi. Est-ce que tu vois dans quel danger tu as mis nos vies? Comment tu peux? Hey. Je suis désolée, papa. Ma princesse. Maman, je t'attendais. S'il te plaît, cause avec les gardes. Je veux qu'ils me laissent sortir. J'ai envie d'aller chasser. Oh là, Hachi, la nuit dernière, tu étais sorti pour aller te soulager. Je ne t'ai jamais vu te réveiller la nuit pour faire une telle chose, excepté quand tu as un plan. Je ne te comprends pas.
Tu sais très bien de quoi je parle. Je sais que c'est toi qui as relâché le prince. Pourquoi as-tu fait ça? Toutes les deux, nous n'étions pas d'accord avec le fait qu'il souffrait en cellule. Alors, je devais le relâcher pour apaiser ma conscience. Et tu as fait cela sans pour autant que je ne le sache. J'avais peur que tu me l'interdises. Bien sûr, c'est ce que j'allais faire. J'allais supplier ton père pour qu'il les laisse partir. As-tu une idée de ce que ton père va ressentir si jamais il les découvre? Il ne le saura pas, à moins que tu ne le lui dises. Maman, s'il te plaît, va causer avec les gardes. Hein? J'ai envie d'aller chasser. Merci. Maman! Maman, j'arrive!